Everybody, and welcome to Drawing with Paolo, special holiday episode. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dessiner avec Paolo, un épisode spécial de Temps des Fêtes. Aujourd'hui, j'utilise ici mon Sharpie pour que vous puissiez voir tout de suite sur l'écran ce que je dessine. Today, I'm using my Sharpie so that you can see immediately what I'm drawing on screen. And today, it's all about jokes, drawing with jokes. And so, I'm going to draw this object here, and I need you to figure out or to guess what this drawing is all about. Alors, je vais faire un petit dessin et j'aurai besoin que vous deviniez quelle est cette blague. Alors, aujourd'hui, cet épisode est tout à propos de blagues en dessin. Alors, voici mon objet. Here's my object. And you need to discover what the object is or figure out, guess what this is all about. And hopefully you can use these during the holiday season with your friends and family and have a little bit of fun with drawing. Other than this, drawing all kinds of stuff, you can even use this for having lots of fun. Alors, vous pouvez utiliser ce petit dessin pour le temps des fêtes. Alors, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous capable de deviner? Can you guess what this is? Well, it's a giraffe walking past the window. C'est une girafe passant devant une fenêtre. Alors, bah ouais. Certains d'entre vous auront ri, d'autres non. Ben, alors voilà, on s'amuse tout simplement. Ce sont quelques blagues que nous faisons. Voici un second. So, some people have laughed about this one. Probably not. You know, it depends who you are. And here's a second one. So, can you guess what this one is? Pouvez-vous deviner quel est celui-ci? Alors oui, un koala montant un arbre. So it's a koala climbing a tree. Of course, the koala is on the other side. You can't really see him. These are his feet. Alors le koala est de l'autre côté de l'arbre. On ne le voit pas très bien. Il est caché derrière l'arbre. Et qu'est-ce que ceci? What is this? Can you guess what this one is? Drum roll, please, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, pouvez-vous deviner? Un roulement de tambour, s'il vous plaît. Il reste quelques petites lignes ici, donc certains d'entre vous dites « ampoule », oui je l'entends, « ampoule ». Some of you say « is this a light bulb ?» No, it's a person getting dressed. C'est une personne s'habillant. Alors voilà, c'est une personne qui est en train de s'habiller avec les vêtements ou ses pantalons autour des chevilles. Et celui-ci, numéro 4, so it's a person getting dressed, of course, with their clothing down to their ankles. Which one is this? Can you guess what this one is? Can you guess what this one is? Pouvez-vous deviner celui-ci? Celui-ci est un petit peu plus difficile, peut-être. Alors, voilà. Et la réponse est... Quatre femmes jouant aux cartes! The answer is... Four women playing cards! Yeah, some of these are, you know, maybe PG-13. Alors, certains de ces dessins sont vraiment pour des adolescents. Alors, je suis désolé pour les plus jeunes. I'm sorry for the younger folks around watching the video. And what's this one? Number 5. Quel est celui-ci, numéro 5? Alors, c'est trois caballeros allant à la toilette et celui du milieu compte une blague. Les deux autres en rient. So, this one is three caballeros going to the bathroom. The one in the middle is telling the joke and the two other ones are laughing about it. Yes, I can hear your laughter out there. Je peux vous entendre rire à la maison. C'est chouette que vous êtes en train de rire. Encore une fois, il faut prendre ça à la légère. C'est pour le temps des fêtes. Le dernier dessin, non le moindre, c'est un dessin qui permet de passer des messages secrets entre amis ou entre membres de famille. Alors, j'utilise seulement qu'une petite fraction de ma feuille, mais il faudrait vraiment utiliser la feuille au complet pour dessiner de très longues et très minces lettres pour passer le message. Lorsqu'on la regarde tout droit, on ne voit pas ce qui est écrit parce que les lettres sont trop étroites, mais lorsqu'on cante la feuille, on voit exactement quel est le message. So this is really a drawing or drawing of letters that allows you to pass secret messages amongst your friends and family members. But what you need to do is really draw the length of the sheet of paper. I'm only using a fraction of it today. And the point is so that you can draw really long and really thin so that it's hard to read this way. But when you lift up the piece of paper like this, you can actually read that message a lot better. But imagine if you were to take the whole sheet of paper, it'd be a lot cooler. Donc, de cette façon-ci, vous êtes capable de mieux lire le message. Imaginez si les mots étaient super longs, la longueur de ma feuille, ben, ça serait beaucoup plus intéressant. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Dessiner avec Paolo. Je souhaite vous voir la prochaine fois. Joyeux temps des fêtes! I hope you enjoyed this episode of Drawing with Paolo. I'll see you next time on another episode. Happy Holidays!